ce que c'est affiché. Ah, mais c'est pas mis à jour. Non, ils ont pas encore joué la contre-note. Non, ça s'amuse avec les prêts, pas prêts. Ça veut dire je veux jouer. Allez, les gars. Et quand même, cette map, on la revoit souvent dans les tournois, mais je la trouve vraiment horrible. Allez, le match va pas tarder à commencer. Ça s'amuse hein, avec les prépas après. Ah, il faut monter la Allez! tension, tu vois. Il y a de l'enjeu. Ils sont pas en train C'est quoi d'attendre une la vie, dinar c'est quand même. ça? Ils ont un système de vie, c'est ça? J'ai pas trop suivi d'ailleurs par rapport à ça sur Ouais. Semaine, vu que c'est la Bon, première en fois que je commence. fait, ils ont 3 vies. D'accord. Donc t'as 2 équipes qui s'affrontent et le vainqueur désigne les 2 prochains qui s'affrontent. Et ça continue comme ça D'accord. jusqu'à ce que tout le monde n'a plus de vie sauf 2 équipes. Intéressant. Du coup, ça troll. Notre Le gars peut problème, aller vomir, trop de pression. petit souci, c'est que c'est un petit peu long. Peut-être faut lui mettre juste 2 vies, hein, ça suffit, je pense. Après, j'imagine que c'était calibré en fonction d'un nombre d'équipes prédéfini. Je sais pas combien il y a eu d'inscrits. Ah, c'est parti. Allez, hop, c'est parti. Oh, les chouettes couleurs! Alors, du coup. Ah, Ah, c'est les Power Rangers, c'est chouette. est-ce que je me suis gouré sur les couleurs? Je sais pas, l'équipe Je en vais regarder rouge ça. c'est Enu, Xel, Yop, Sally. Je sais pas lesquels c'est, je retiens jamais les Attends. équipes. Oh, la retraite anticipée tour 1. Eh ben, je me suis gouré, je crois. Ouais, dommage. Je peux inverser. Oh là là. Du coup, je change ça tout de suite. Bon, Et du coup, sur cette ben. retraite, on commence à poser le cancer. Ouais. Voilà. Donc, que je Le veux dire. Du coup, on peut coup. peut-être faire le tour des stuffs, en attendant que la retraite passe. Oh, bah là, t'as le temps, hein. Et aussi, on regarde un petit peu l'initiative, comment ça se passe. Alors, on a au par les Nutrophes en équipe. Fabolous le Mal le Xelor gros. qui Je joue. t'en rapproche sans Sadie, je te dis juste le move, du coup, parce que ça évite la pose cadran paradoxe pour ramener Sadie. Ben, au tour 1 de toute façon, donc, ça temporise. Non, il Et pouvait pas de toute façon, on voit que le effectivement. Xelor Tu as raison. joue Oh, haut je et fatigue. il a l'air de bien taper hein, quand même. Parce qu'il a l'air d'être retrait, mais il a l'air de bien taper aussi. Ensuite, Petrolia pense Trigide. Est-ce qu'il a un Nébuleux? Non, pas Nébuleux. Et Sakurama, le Sadidac qui n'a pas de résistance neutre. Je trouve ça un peu osé quand même. Bah, face à un Yop, oui, c'est plutôt osé. Ouais. Et puis même Sadie, hein, Sadie, ça peut sortir des daguerris. Même le SRAM. Hein. Alors ensuite, de l'autre côté, on a Palakos, le Sadida. Je saurais pas vraiment dire. Il n'y a pas de fixe qui permet Alors, de quel est ce désigner la truc qui stuff. confirme? Après, on a Epsilon, le Le SRAM, il est sorti SRAM. en mode full terre. Ouais, Ouais. Non, mais de toute façon, c'est en là, paire. ça va faire très mal parce qu'ils ont retraite. Du coup, ça permet de temporiser en attendant que Fabulous puisse cop. Ça va cop. Voilà. Il y a eu le Ouais, flou de ouais. lancer, donc Petrou va se retrouver avec 14 PA. Ensuite, Ça va faire vraiment mal, je là. Ça va le. vraiment Voilà, très mal. Petrou, ça va faire un le one shot, hein, j'ai envie de dire. Ouais. le sadique qui fait un arbre de vie dans le bras, bravo. Ensuite, on a un Yop qui joue en J'ai peur nébuleux. pour les bleus, moi. Ah non, mais là, normalement, c'est fini. Hein. Il y a déjà un mort, là. Et Dame Blanche, Benipsa qui a l'air de jouer feu. Ouais, bah vas-y, tiens, fais de la Pathogastrique. Vortex. Hein. Ouais, Vortex ça galère. pathogastrique. Allez, au part. Franchement, ils peuvent faire une pupille, là, limite, hein, les bleus et les Bah, rouges. il va la lâcher normalement. De toute façon, c'est le but là, c'est la strat. Hein, donc, l'Axel sur le Xel en plus. Dip P, doigt du PM, ça va. Tout va bien.
Et attends, il avait chance son Yogg Tura en plus. Ouais, la chance. Le loot, même s'il veut, le gars il part même en appui qu'il veut le chercher. Hein. Ah bah non, ça ne cupit pas en vrai. Par contre, là il faut qu'on a tout de suite. Hein. Bah, je sais pas qui va chercher, a priori le Yogg, je pense. Bah, qui tu veux, mais là il faut Donat pour essayer de limiter la casse, parce que là ça va vraiment faire mal. Hein. Et comment tu peux contrer un truc pareil? J'avais pas vraiment réfléchi à cette strat, mais du coup, l'ordinier est parfaite, ça va être chaud pour eux là. Mmh. Ouais, voilà, Donat. Il s'est pris avec l'ennemi, il a dû prendre son SRAM. Non, il est pas dedans. Non, ça a pris juste l'ennemi et le Sadi, du coup, ça va sûrement cop le Yop. Voilà, il peut prendre le SRAM aussi, vu qu'il a pas bougé avec la retraite. Le SRAM, il est à vie, non? Ah ouais, il a pas bougé avec la retraite. Pas, je l'ai pas vu au terme. What? Cadran. Mais... Paradoxe. Hop. What? Qu'est-ce qu'il fait? Rambo. Alors. Je n'ai pas compris. Je attends. Ne suis pas. Parce que là, du coup, ça va. Ouf. D'accord. Un peu compliqué pour moi tout ça. C'est un fail ou alors. Non, d'accord. Non, ils en ont une. Ok. Ok. C'est bien joué, hein, mais je t'avouerai que. Je l'ai, c'est bon. Oh putain, comme il nous a brain le bâtard. Oh, il a fait quoi? Bah en fait du coup alors... avec le la cavotte et paradoxe. Ouais en fait la cavotte a pris le paradoxe. Mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est qu'elle est hors de la zone du paradoxe. Pourquoi? Non mais c'est avec le Rambo, doit y avoir un truc avec le Rambo, je sais pas dans quel ordre ça passe mais. Oh là 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 là. Ouais. En fait il y avait le Rambo pour mettre la cavotte à la place de Venerypsa et ensuite le paradoxe a échangé la place Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que la cavotte est en dehors de la zone du paradoxe. Ouais, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est un bon calcul avec les enchaînements paradoxe Rambo et tout ça, ou alors est-ce que c'est un use bug en fait. Par contre, il a pas pris énormément. En fait. Non, enfin, pas tout ça. Pas pris, non. Mais bon, bah, c'est obligé qu'il adverse sa rush, et bon, bah, c'est toujours bien à prendre quoi. Parce que là, il a quand même traversé. Ouais, il a fait 22 cases quoi. Bon, finalement, je retire ce que j'ai dit, ça fait quand même un peu mal. Hein. ouais, ils sont pas très forts là, c'est pas terrible là. Hein. Après, bon, bah, en fait, ouais, non, quand même, hein, ça picote. Hein, ça picote un peu. D'accord, bon, ouais. je pensais que la zone du paradoxe comptait aussi à la fin, mais apparemment, non. C'est pour ça que ça a ramené une rip ça, mais. Ouais. Par contre, moi j'ai quand même maté le replay pour essayer de voir l'ordre des sorts et comprendre comment ça marchait ce truc là parce que j'ai vraiment envie d'avoir précisément. Parce que c'est moi j'ai compris tout de suite, mais en fait je pensais que la zone paradoxe se mettait pas à la fin. Enfin, en fait, simplement il a fait un paradoxe sur la cavotte, du coup il s'est mis ici qui est en symétrie par rapport à l'Enerypsa pour que la cavotte va cette place là et ensuite le paradoxe a changé la place avec l'Enerypsa vu que ça tombe ici en symétrie. Non, je l'ai pas. Faudrait que je dorme ban tranquillement. En fait, mais c'est vraiment sale en tout cas. Si tu mets là, du coup, t'as la symétrie ici en fait. Tu vois bien qu'avec le placement Sadi, ils ont vraiment fait. Ah ouais, c'est bon, j'ai pigé. Ouais, et le paradoxe, apparemment, il y a une zone infinie au retour, mais je sais pas. Je pensais que la zone paradoxe était la corruption pareil en sortie qu'au début. C'est pour ça que je ça y est, j'ai compris. Je l'ai. Comme le Rambo il passe avant le paradoxe, donc du coup la cavotte s'est retrouvée en bas et du coup elle a changé sa place avec Lenny avec le paradoxe. C'est bon, ok. Mmh. Et du coup il y a la corruption sur Anus, ça avait été déboîté Fabulous. Et du coup tu fais le. Par contre je vais éviter de répéter le pseudo Yop, on va plutôt l'appeler le Yop. Hein. Anus.
Anhus, ça pourrait faire un truc un peu allemand, là, c'est pas mal. Un peu Troisième Reich, tu vois. Anhus. Surtout que nous, on est calés en tout ce qui est Troisième Reich et tout ça. je ne pense pas que nous allons révéler ce genre de choses pour l'instant. Je crois que le monde n'est pas encore prêt. Hein. Les viewers ne sont pas prêts. On va patienter encore. On va patienter. On va monter en puissance et on attend pour l'instant. Allez, du coup, on se débarrasse de la folle. La corrupte qui est tombée sur qui, du coup? J'étais en train de calculer mes trucs et j'ai pas vu. Sur le Yop. Ouais, d'accord. Donc, tour du Yop annulé. Ah, c'est très compliqué pour les deux là. Du coup, il n'y a plus de Lenny, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais, clairement, là, c'est... Enfin, quoique, il est prêt, finira. Hein. Oui. Après, hop, l'invite d'autrui. Ouais, l'invite d'autrui sur Dame Blanche. Après, pourquoi pas un petit duel, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ah oui, bah, ou alors, il y a même Sakurama, après, qui peut tremblement pour le libérer de là. Hein. Pour l'enlever de son avis. Ouais. Non mais ça va, ils ont tout ce qu'il faut quoi. Ouch. Par contre, la petite épée de la reine des voleurs. Par contre, l'épée de la reine des voleurs en PVP, c'est osé quand même, hein, surtout face à un Xel. Ouais. Bah ouais, on peut le voir d'après ses esquives. Ouais. Hein, 35, pardon. Ouais. Oh là là, c'est chaud. Elle est puissance. Par contre, c'est vrai que ça cogne, hein, de ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Hein. Et après, au niveau des esquives et au niveau des bonus, pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. Ah bah, moi de toute façon, je la jouerai jamais en PVP. Après, moi j'ai Skak sur mon Stram en PVM, je lâche régulièrement. Après un petit fourgon, je l'ai quoi, 1005 hein. Moi je l'ai, mais je l'ai jamais joué. C'est vrai? Bon, vas-y, tente. Hein. Bon, après, moi c'est parce que je manque un peu d'opti, donc tu vois, j'ai pas forcément l'exo-PM qu'il faut sur le Stram, donc je mets l'épée par facilité, mais ça déboîte bien. J'ai testé une fois, c'était mon combat contre Gouttar, en fait c'est 0, alors je l'ai enlevé. Elle a une folle qui tombe du coup. Ouais, la folle qui va infecter Psylone. Hop là, on bloque. On bloque vraiment du coup. C'est Zeny qui va pas pouvoir faire grand chose là. Par frayeur le Yop à la limite. Ouais. On va repartir vers le bas vu que... Ah bah non, j'avais pas vu. J'avais pas en tout cas, les drainants de Lenny qui font un joli travail en tout cas. Et s'il lance un mail, je pense que c'est le moment. Ah voilà. Il fraye pour prendre un lit. Après, il est quand même spotable hein, son placement. Enfin, son placement, c'est le déplacement. Soit il est au cac de la folle, soit il est en diago avec le Yop et la folle. Quoi. Enfin, avec ouais. Le Yop. Ouais. Et au part, ça serait peut-être judicieux de placer un petit coffre à nuit histoire de le repérer, je pense. Et non, la petite maladresse de masse. Ouais, ça, elle fait mal, hein, cette maladresse de masse. Hein. Ouais, le moins bien de toute façon. Dame blanche sur un nuit. Le Doppelénic a mis un mot soignant sur Dame Blanche qui l'a spoté en fait, elle est au cac de la folle. Ah ouais, j'ai pas calé. Troll Doppel. C'est ça l'inconvénient, jouer avec la Sera avec la Nini. Hein. Elle est autour de Palacoste. Que va-t-il nous faire? Ah, je sais pas, mais ça hésite. Hein. Ouais, une petite herbe folle sur Petrou qui se retrouve à 2 PM. Un petit Groot pour leur pousser ou. Ouais, ça va sûrement être ça. Ou alors peut-être pour débuff la puissance. Ouais. Là, débuff la puissance, parce que là il peut toujours bon. Ouais, mais il pourra pas bon colère du coup. C'est vrai. C'est surtout ça qu'il voulait éviter, je pense. Après, il y a Fabulous, il peut toujours lui donner des PA hein, avec le cadran, je pense. S'il l'a de retour. Ouais. C'est pas inutile d'ailleurs. Surtout qu'il y aura que le Stram qui va jouer entre temps, donc il l'a forcément. L'entraver. Parce qu'une fois après paradoxe, ton cadran revient au tour d'après. C'est vrai. Bah, un petit bon topo sur Dame Blanche. Très bien le taf. Eh bah non, t'as vu le cadran vient faire maintenant. Et en plus, on fait un petit effort pour le ramener.
Allez, une petite momie qui sort de gagner des PA ou comment ça se passe? Ouais, il peut faire une frappe. Allez. Ah, pas de frappe. Allez, une petite momie. Voilà. Il a de quoi colère, Oh mais là là, là je serais là. psylone, je mettrais une petite poisse hein, quand même. Hein. Ah bah là il faut faire quelque chose parce que là il a les PM pour aller sur Dame Blanche, en plus il a 13 PA donc il Moi, va je falloir mettrais une réagir poisse. là. Il faut une poisse. Ouais mais ça tu vois c'est un excellent sort mais je vois très peu de Scrabble lancer. C'est triste hein mais. Ah voilà, c'est fait. Ou alors il pourrait être plus intelligent. Tu vois, plutôt que de se barrer, je pense qu'il aurait dû peur son. Ouais, elle aurait pu. On appuie ici. Ouais. Pas du tout Pour spoté. essayer Non, de bah le non, non. déclencher quand Petrou viendra sur Ah non, Dame il a. Blanche. C'est ouais, par rapport à Dame Blanche. Ou alors il aura plus peur Dame Blanche qui disait qu'il y avait une incertitude sur l'endroit où elle était placée, parce qu'il y avait deux cases à choisir. Là, qu'il aurait pu, là, c'est qu'il est obligé d'utiliser son bon, quoi. Ouais, mais il peut toujours bon colère. Il pourra pas bon colère précis, mais. C'est ça. Ouais. Bah, il est Ah là, en ouais, fait. non. Il a pas aurait pu là. Il aurait pu. J'aime bien la pleine, je suis sûr Et de dire, ouais, boum! elle est bien là, tu sais. Non, Alors le qu'il casse des aurait pu cuissons être là, je d'une. pense. Hop là! Oh là là! 113 points de vie! Mais Je n'ai pourquoi il pas a. compris pourquoi le répu n'était pas placé de telle sorte à ce que Liop recule en fait. Mais il l'a placé pour lui, je crois, en fait, parce qu'il voulait pas se bouffer la colère, mais il valait mieux lui plutôt Ouais, que son ennemi, quoi. Surtout qu'il aurait c'est pu. ça. Il aurait pu servir ensuite, quoi. Ou alors il l'avait claqué, je sais plus, mais. Non, bah non! C'est chaud! Voilà, c'est trop tard, c'est fini. Oh, Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il a failli tuer son ennemi. c'est ce que je me disais, le gars il a lancé son ratif, mais oh là non, attends! Oh non! Bon bah allez, c'est la fin de Dame Blanche. C'est dommage, hein, moi j'aime bien les dames blanches. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il va y aller au tremblement. Le Donut. Ah non. C'est peut-être Tu Donut. crois qu'il va dans la tronio? Ah, le Non. tremblement, Ou c'est pas mal. alors le kill Groot histoire de bien humilier. Ah, le cul Ah, de il a Groot. abandonné. Il a abandonné. Oh, c'est moche. Bah tant pis, il en profitera pour sonner son yop, hein, du coup. Bah ouais. Ah, Ah le salaud. bon, en tout cas, c'est cette team rouge là qui Alors, les avait bleus. vraiment bien préparé sa strat. En plus, t'as vu au niveau du placement par rapport à la COP, comme Dame Blanche arrivait vraiment au Caxadi près du yop, je sentais que tout était vraiment calculé quoi. C'était bien, bien préparé leur part. On voit que leur stratégie elle a marché hein. Quand tu vois la rapidité d'exécution des mouvements Ouais, ils avaient vraiment étudié la map même pour le faire et tout, hein. Tu sens bien que ils ont pas fait ça dans la minute. Hein. Ouais, et du coup avec les types, bon il y a un peu d'héros, mais pff, ça c'est pas. Ouais, bah là les bleus sont quand même en mauvaise posture hein. Bah selon moi ils ont perdu. Hein. Ah bah je pense que ouais. Ouais, Surtout qu'en plus par le répé était bien le répu réussi. était bien pour lui. Hein. Surtout Ouais, qu'en il plus aurait dû ça fait. sauver son nez. Eh, ça fait quand même très très mal parce qu'on s'est retrouvé quand même avec un Yop en nébuleux qui s'est fait cop autour d'eux, qui a pas lancé sa colère du coup. Il a pas lancé de destin, du coup il a rien de chargé. C'est vraiment le troll ultime quoi, ça fait mal. Ah ouais. Oh là 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 là, on a sa plaisante qui Ouais, passe pas du tout quoi. ils sont vraiment salés hein, les bleus, hein, parce que pour faire du moins 0 sur du 58 d'esquive. Bon retrait. Allez, un petit DF. Allez, on va avoir la grosse horloge. Allez, tape aussi Non, bah terre. les connes, ils s'en fichent. D'accord, donc en Hein. fait il est terre haut, oh, d'accord. Ouais, ça m'étonne pas vu leur compo et vu ce qu'ils avaient Ouais, préparé comme strat, il fallait que tous les persos tapent. c'est du stuff ren, hein. Ouais. Et là, le SRAM, pour le coup, il est un peu loin avec ses pauvres petits 3 PM. À vouloir éviter la colère, et ben. Encore une Voilà. fois, il aurait bien fait de se sacrifier pour son ennemi. Hein. C'est ça. Puis là, Petrou, il va arracher l'anus, hein. C'est bizarre, Petrou anus, trou anus. Ils se sont mis d'accord. Oh. Ils se sont donné le mot, tu sais, excusez-moi. Non, on avait dit stop les blagues avec cette équipe-là.
C'est plusieurs fois qu'on le stream, c'est fou. Bah, je sais pas, je sais pas, aussi, hein. Je viens d'arriver, donc... Ah, moi, c'est pareil, je découvre ces magnifiques pseudos. Avant, le diable était une femelle, aussi. Bah, attends, il n'y a plus de puissance, on est sous poisse, on est en retour de précis, il va pas faire grand-chose, en fait. Hein. On va sûrement mettre des pressions, quoi. Non, même pas. Attends, Ozef, on tape. Putain, y'a vraiment plus de respect. Hein. Ah non, mais tu sais, c'est ces moments où t'as fait le kill, t'as fait le move qu'il fallait, puis ensuite on a plus rien à foutre, tu bourrines. Attends, 3v4, attends, 3v4, tu dis t'as gagné. Même sous poisse. Oh là, attention. Oh là là, double crit. 2000 points de vie. Là, et je te dis on pas. Si... Imagine, il serait passé sur le sadis, c'est 0%. Ah, le Sadin donc a clairement pris un énorme risque à être à 0%. Mais ils se sont dit, de toute façon, à mon avis, vu qu'ils étaient sûrs de choper l'ini, ils ont dû prévoir le coup, tu vois. Ils étaient sûrs de pouvoir placer leur combo. Leur combo ouais. Et du coup, ils se sont dit rien à foutre d'hérésie. De toute façon, on fera le kill avant, quoi. Surtout qu'en plus, avec l'ennemi en premier, ils s'assuraient de pouvoir corrupt cash quelqu'un autour d'eux. Ça fait penser, les mecs sont tous au prone quand même pour l'ini. Dire qu'avant les mecs ils jouent en d'avant pour l'initiative. Bah oui, moi c'est ce que je faisais au Gultax. Au Gulta 5 quand j'étais en finale, je me souviens. J'avais 0% de reste partout, mais j'avais 5000 d'ini. Quelqu'un qui m'a fait rire qui a demandé si c'était pas les Teletubbies qui étaient en train de jouer. Du coup, j'ai une petite dégueulasse dans la tête. Non, y'a pas tes demi bleus. C'est Power Ranger. Ouais, il est violet, c'est pareil. Ah, bah non, c'est Power Ranger, c'est tout. Ouais. Allez, on tombe pas la coste. Bon, bah, ça va se finir tranquillement. Hein. Plus grand chose à dire ouais, dans ce match. Oui, de toute façon, là, je pense que Petrou il va s'adapter à Manus. Hein. Non, on a dit qu'on arrêtait avec ça. Ah, Petrou, je pense que. Non, mais là, à mon avis, Anus, il va tomber. Il a pas une relance en plus là, il y a pas une. Bah, si, il a destin qui arrive. Quoi il y a la destin. Ah, la destin. Et puis il a. Les pires techniques, il y a Opar qui a relancé la chance, donc il va arriver avec 3 en puissance. Il va se faire des boîtes, là. T'as vu, il en aura même pas besoin en plus. Hein. Oh là là. Oh là là. Il n'y a pas besoin de up en fait. Il n'y a pas besoin de up. Non, Liob, il va se contenter d'aller au SSI. Oh là 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 là. Oh, c'est le kill cadran, donc il y a pas de kill route, hein, ça fait compile des kills. Oh non, il est sale ce match, franchement. C'est pire technique. T'imagines, il y aurait eu ça et puis le kill route. Putain, les mecs, après, ils auraient plus envie de jouer de l'abri. Hein. C'est clair. Ils sont traumatisés après ce truc. Hein. On a donc la preuve qu'un trou générique est plus fort qu'un allié. On a arrêté avec les blagues là. Non mais c'est bien en plus si ça a avancé. Comme ça Petrou il peut juste. Bah il va avancer tranquillement, il va faire un souffle. Bah il va aller tuer le Sadi là. Non, ah bah non il va sur le Sadi, d'accord. Bon. L'un ou l'autre, de toute façon, ça ne change rien.
Adieu, Sadie. Ravi de t'avoir connu. Allez, double daguerre précis. Pression ou concentration, peu importe. Pression, Pression, destin. destin. Anti destin. Impression. De toute façon, au pire, il y a Sakurama derrière pour terminer. Hein. Ouais. Oh le bas. Tapez, hein. Les mecs sont juste pour Les... taper. Ah, mais ils ont tout prévu, hein. Les gars, en fait, vous savez, ils ont mis des. Ils ont... En fait, à mon avis, c'est des gens qui adorent taper, tu vois. C'est des gros fous des dégâts. Et ils se sont dit, vas-y, putain, il faut qu'on trouve une strat pour qu'on puisse jouer en full stat. Enfin, full stat, non, ils sont pas full stat. Hein. Ils ont quand même. Ça se verrait hein, s'ils étaient full stat. Ont quand même de très bonnes raisons. Avec de bons dégâts. Ouais, bah, Liop, il va Oh vraiment. non, oh non! Ah les types. T'imagines, il réussissait le kill cadran plus kill route. Et là, il y a eu un kill archétype. Hein. Eh, mais ça, il y a des gens qui sont morts hein, comme ça, hein. Ils savent pas, hein, je pense. Les gens, ils sont déjà suicidés. Hein. Alors, il y a une soirée, je sais plus laquelle, il y a eu 2 kills Libé et 2 kills de type dans le même match. Ah non, mais là, il varie les plaisirs, hein, c'est chaud. Hein. Sérieusement, ça devient moche là. Ça devient limite, ouais, j'ai de la pitié un peu pour les bleus là. Alors, tu vois, c'est Power Rangers, ils le disent. Ils sont en train de jouer avec leurs adversaires. Ah, les pérennes des voleurs, oh, ça pique. Il va peut-être pouvoir mettre la coco. Non, Bon, dommage. on prend les paris. Comment on va se faire tuer le SRAM? King Groot. Je vais le voir celui-là. Non, moi je dis qu'il va rush kit avant C'est la... déjà Moi je dis fait, qu'il c'est va rush déjà kit avant la fin. fait. Ouais, c'est possible. Bon, Mary. Ah non, il pourra pas le kill. Un kill double, ça pourrait être marrant du coup, hein. Ça ferait la... ça serait bouclé du coup, quoi. C'est pas trop hype kill double. Ouais, un kill rack ou un truc à la con, tu sais. Dans le Xelor, qu'est-ce qu'il pourrait. Comment il pourrait tuer le Xelor? Oh putain, mais c'est Ah bah sadique non, qu'il est quoi. type. Allez, encore. Deuxième. Non, il pourra pas. Ah, le kick cadran. Regarde, regarde, regarde. C'est pour exprès, c'est moche. On veut le kick cadran. Oh, Non, comment... regarde ça. Ah Elle a rush kit. Ah, non! j'ai gagné le pari que ce soir. Thunderbolt, tu me dois des camas. Oh là là, c'est moche. Et du coup, c'est la victoire de je ne sais plus. Ah, c'est la Beast and the Médisance. Beast. Non, comment il Non, s'appelle? c'est la Médisance qui a gagné. Ah, Médisance. Contre les Beat and the Beast. Non, les meilleurs Ouais, Year the Beast. Et du coup, en écrasant 4-0, ouais, c'est bien joué de leur part. Hein. Franchement, combat au rendement mené, hein, le move du Xel qui a fait la diff. Hein. On aurait dit, genre le mec il vient de